Sur les Alpes, à 1460 mètres d'altitude, les spéléologues de Grenoble ont réussi à battre leur ancien record de moins 903 mètres dans l'exploration du gouffre Berger, d'où les 16 explorateurs sont remontés après avoir atteint la cote moins 985. Tour à tour, Berger, Petz, Garvig et leurs compagnons ont regagné la surface. Et c'est l'un des plus étonnants records de cette année. Mon père était un vrai découvreur. Il a ouvert la plupart des grandes cavités. Il était un artisan absolument fabuleux. Mon père avait déjà démarré ses quelques produits pour la spéléo, mais il le faisait plus pour les copains, pour les amis, puisqu'on faisait des petites séries, mais c'était tout fait à la main. On n'avait pas de machine, sauf une perceuse, un tour et deux fraiseuses. C'est tout ce que nous avions. Puis un jour, mon père m'a dit, mais il va falloir que tu penses à ton avenir, qu'est-ce que tu penses faire? Je pense que tu as des tas de capacités, tu peux faire cette entreprise. Et surtout, il m'a dit une chose qui est très importante pour moi, c'est qu'il m'a dit, tu vois Paul, j'ai confiance en toi, je suis persuadé que tu peux faire des choses et peut-être de grandes choses. Et c'est là où je lui ai dit oui, et quand je suis un homme de parole, quand je dis oui, je m'engage. Et j'ai développé cette entreprise avec toute la passion et l'envie que j'avais de construire une entreprise. Et quelque part, à ma manière, exister et montrer que je pouvais faire des grandes choses. Climbing with the best gear gives you an edge, you know, and just having everything right where it needs to be in the right moment, you know, and that's just enables you to really free yourself and just go 100%. Hoy en día trabajar con seguridad no es un problema, es la solución. Cuando la vida depende de una cuerda, es importante tener el mejor material. When you go to the North Pole at night, there's a couple of equipment pieces that's very important. You put your life in the hands of the equipment that you take. And we put our life into the hands of a lamp that we had to trust. Dans le cadre du secours en montagne, notamment dans les secours techniques comme en paroi, en canyoning ou dans le cadre de secours en crevasse, on doit avoir une confiance absolue dans le matériel. De toute façon, on ne doit pas se poser de questions parce qu'on a tellement de choses à faire dans le cadre du secours qu'on fait complètement abstraction du matériel. Un peu dur pour le vieux, hein. T'aurais pu prendre la benne, ça aurait été plus facile. Oh, mais quand on cherche trop le confort, on vieillit. Alors il faut chercher un peu l'inconfort pour rester jeune. Ou au moins avoir l'illusion. Quand on a un désir, pour le réaliser, il faut une solution. Et là, on se trouve au cœur du métier de Petzl. Maintenant, en soi, qu'est-ce qui contient une solution? Une solution contient enfin trois choses. C'est le produit, l'information technique, comment les combiner, et la formation. Nous avons une demande des pompiers de New York pour résoudre un problème de s'évacuer rapidement d'un bâtiment en feu. Nous avons développé un système qui s'appelle l'EXO, que maintenant 12 000 pompiers portent tous les jours avec eux lorsqu'ils sont en intervention. V-Access has got two directions. Internal training and formation for Petzl distribution network, but also for research. We can use V-Access as a great research center. So the whole idea of V-Access, we have a core of trainers, and then as and when we need, we will bring in external experts. Produit chez Petzl part soit d'un besoin exprimé par nos clients, qu'ils soient sportifs ou professionnels, soit de notre anticipation de nouveaux usages et de nouvelles pratiques.
Notre contact permanent avec le marché nous permet vraiment de parler au nom de nos clients et de développer des produits en parfaite adéquation avec leurs besoins. Nos ingénieurs et techniciens travaillent ensemble, de la phase recherche à la validation des produits finis. Nos bureaux d'études sont organisés autour des compétences textiles, métalliques, plastiques et éclairage, avec en leur sein plusieurs métiers. Au bureau d'études éclairage, par exemple, cohabitent des opticiens, des mécaniciens et des électroniciens. Sur les cartes électroniques de lampe frontale, de plus en plus, on a d'intelligence pour l'ergonomie, les différents modes, les modes de protection et autres. Donc on utilise des microcontrôleurs, donc c'est des composants, c'est l'intelligence de la carte. Le métier d'électronicien, c'est aussi une fonction d'achat. Donc dans le choix des composants, choix des architectures, le choix des LED qui est très important. La valeur ajoutée chez PZL là-dessus, c'est d'être le plus efficace possible avec une fiabilité optimale. Une fois le prototype réalisé, nous le testons pour être sûr de sa fiabilité et de ses performances. C'est le rôle de la tour d'essai qui pousse nos produits jusqu'à leurs limites, souvent bien au-delà des normes internationales, afin de garantir la meilleure fiabilité possible, une durée de vie maximale et de haute performance. Donc la tour d'essai, c'est plein de bancs de tests différents. On a un banc de traction pour faire tout ce qui est test statique, résistance, donc c'est un vérin qui peut monter jusqu'à 5 tonnes d'effort. On a un banc de chute pour des masses guidées, donc c'est un banc de chute qui permet de répéter le même effort, le même impact, la même hauteur de chute. Un banc de chute qu'on appelle le plafond qui nous permet de faire de la chute libre complètement en 3 dimensions, où on lâche essentiellement des mannequins ou des grandes masses rigides. On a un banc de casque pour valider tous nos casques, donc ça c'est quelque chose qui permet de répondre vraiment à toutes les normes. Et puis à côté de ça, on a plein de machines de cyclage qui nous permettent de travailler sur la durée de vie des produits. Et puis du coup, pour pouvoir exploiter un petit peu les données qu'on a sur les essais mais qu'on n'arrive pas à voir, on s'est équipé dernièrement d'une caméra à haute vitesse qui nous permet de voir au ralenti des choses qui sont impossibles à voir à l'œil nu. Une fois les tests en laboratoire validés, nous envoyons les prototypes sur le terrain afin de concrétiser l'usage qui en sera fait. À ce stade, on parle de confort, d'ergonomie et de simplicité d'usage. Lorsque le retour terrain est jugé satisfaisant, la phase d'industrialisation peut alors commencer. Chez PZL, l'industrialisation est basée sur un concept appelé le Lean. Il s'agit d'une recherche de la performance par l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages. C'est une méthode de travail, même une philosophie, je pourrais dire, pour vraiment se focaliser sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, c'est une direction clé pour l'entreprise. Il y a toujours un contrôle humain et pour donc les EPI, un contrôle aussi fonctionnel, assisté de tests de traction. Donc chaque produit est testé, qualifié et validé par l'opératrice individuellement. En multipliant les contrôles, on est sûr que notre produit sera de qualité car c'est l'élément clé des produits PZL. Le produit fini est livré dans le monde entier à travers notre important réseau de distribution. Grâce à une étroite collaboration avec ce réseau, nous pouvons échanger nos connaissances avec nos clients, notamment à travers les formations, les catalogues et nos différents supports. Paul Petzl started the foundation in 2006 as a way of giving something back to the communities that have helped make Petzl so successful in the sport and professional markets. We focused our efforts on 3 core areas. First, improving safety in the vertical world by providing information and education to the professional and to recreational users. Second, supporting projects that aim to protect the environment.
And third, supporting research that helps expand our understanding of the forces and environments found in the vertical world. On a personal level, it has been a privilege to direct funds to private nonprofits who are passionate about their work and are really making a difference in this world. C'est jamais fini. Avec l'expérience que j'ai à travers les innovations que je me suis aperçu et je constate en permanence qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, surtout avec les équipes que nous avons, j'ai très très bon espoir et je suis absolument persuadé qu'on va faire une grande chose dans le futur.